Alors nous allons retrouver aujourd'hui la France du XIVe siècle, la France de la guerre de Cent Ans, avec un personnage un peu oublié, il faut le dire, parce qu'il appartient au camp adverse, entre guillemets. Il s'agit du prince noir. Le prince noir, Édouard de Woodstock, prince d'Aquitaine et prince de Galles. On connaît mal l'origine de son surnom, peut-être un vêtement noir qu'il portait à Crécy, une armure noire qu'il portait à Crécy. Un personnage dont on ne sait s'il est anglais ou aquitain, dont on sait qu'il parlait beaucoup mieux le gascon et le français que l'anglais, ce qui n'est pas surprenant à l'époque, et un personnage qui a installé sa capitale à Bordeaux et qui en a fait à l'époque l'une des principales villes d'Occident. En tout cas, un grand capitaine, vainqueur de deux rois de France, Philippe de Valois à Crécy, Jean de Le Bon à Poitiers, vainqueur également de Bertrand du Guesclin, dont on sait qu'il fut les grandes figures militaires de l'époque. Une vocation précoce, il a 16 ans à Crécy en août 1346 et il participe au combat. Édouard III, son père, le félicitera même pour le courage qu'il a manifesté, donc une figure, un personnage parfaitement digne de la couronne, mais sa disparition prématurée fera qu'il ne la portera jamais. Alors, que peut-on dire du prince noir? Il naît en 1330, en juin 1330, au manoir de Woodstock, près d'Oxford. Son père, à l'époque, est jeune. Édouard III n'a que 18 ans. Il est marié à Philippa de Hainaut. Mais surtout, Édouard III est le fils d'Isabelle de France, la fille de Philippe le Bel. Et nous nous retrouvons là dans les événements que le grand public connaît bien à travers le cycle des rois maudits de Maurice Druon. Du côté français, on va faire valoir la loi salique quand les enfants de Philippe le Bel, Louis X le Hutin, Philippe V le Long, Charles IV le Bel disparaîtront tous sans descendance mâle. Et donc on portera sur le trône Philippe de Valois. Mais du côté anglais, eh bien, l'union entre Édouard II et Isabelle de France fera que le jeune Édouard III considérera que la couronne de France doit lui revenir. Alors tout cela jouera un rôle important dans ce qu'on va appeler par convention ultérieurement la guerre de Cent Ans, qui va durer un peu plus longtemps que Cent Ans, qui commence en 1337, se termine en 1453. Cette querelle dynastique en fait recouvre aussi des conflits, des discussions, des débats portant sur d'autres questions ou sur d'autres régions. D'abord la suzeraineté du roi de France sur l'Aquitaine. On se souvient comment Saint-Louis, par le traité de Paris, avait laissé au roi d'Angleterre Henri III, malgré la victoire qu'il avait remportée sur lui, cette région. Mais il était suzerain en droit féodal du roi d'Angleterre à propos de l'Aquitaine. Il y a aussi la question de Flandre, où les Français rencontrent quelques difficultés avec les villes flamandes, qui ont des intérêts économiques complémentaires avec l'Angleterre voisine. Il y a la question aussi de la vieille alliance entre la France et l'Écosse contre l'Angleterre. Alors tout ça se combine pour créer le contexte qui sera celui de la guerre de Cent Ans. En attendant, le jeune Édouard va recevoir une éducation de chevalier, éducation militaire bien sûr, éducation, formation au maniement des armes, formation à l'endurance à travers la chasse, qui est l'activité de loisir, si l'on peut dire, traditionnelle de la noblesse de l'époque. Mais c'est aussi un prince instruit, cultivé, qui a lu toutes les grandes épopées du temps, exaltant l'idéal
chevaleresque. Très jeune, dès 1337, il assiste aux obsèques d'un prince du sang à Westminster. Hein, il est mis en avant donc très tôt. Ensuite, devant le Parlement, on va lui attribuer le titre de duc de Cornouailles. En 1338, il n'a à l'époque que 8 ans, quand Édouard III s'embarque pour la Flandre pour aller tenter de mener une première campagne contre les Français, eh bien, il est proclamé gardien du royaume. Hein. Ensuite, en 1340, les Anglais vont remporter leur première grande victoire dans ce conflit séculaire. Hein, c'est la bataille navale de l'Écluse, à proximité de Bruges. Et quand Édouard III rentre à Londres, il est accueilli triomphalement et il trouve son fils, qu'il a quitté quand il avait 7 ans, qu'il retrouve quand il en a désormais... quand il avait 7 ans, qu'il retrouve quand il en a désormais 10. Voilà. Alors, ce jeune fils, à 13 ans, il est très précoce, très vigoureux, il participe à son premier tour. Il va recevoir la couronne et le sceptre qui vont faire de lui le successeur officiel, hein, le successeur désigné du roi en cas de besoin. Et il reçoit d'ailleurs à ce moment-là le titre de prince de Galles. Et désormais, c'est le titre que porteront tous les successeurs des souverains régnants. En 1344, Édouard III entend frapper un grand coup, prendre l'initiative en territoire français. Il va réunir une fête à Londres avec tous les adversaires du roi de France pour préparer une expédition d'envergure. Le jeune Édouard, évidemment, est associé à toutes ces festivités. Et en juillet 1346, c'est le départ de ce corps expéditionnaire. Le prince de Galles en fait partie. Il est âgé de 16 ans, donc. Hein. Il est prévu qu'il sera armé chevalier arrivé sur le sol de France. Hein. Et c'est ce qui va se passer après que le 13 juillet 1346, la flotte anglaise eut jeté l'ancre près de Saint-Val-à-Hougues, dans le nord du Cotentin. Alors que, il faut le dire, les Français attendaient le débarquement anglais à Calais, hein, ce qui paraissait effectivement le plus logique. Mais voilà donc l'expédition anglaise, le corps expéditionnaire anglais qui se trouve désormais à pied d'œuvre. Armé chevalier à ce moment, le prince va recevoir son épée des mains de son père, ainsi que les éperons d'or qui témoignent de sa nouvelle condition. Scindé en droit, l'armée d'Édouard avance vers la Normandie. C'est une armée autant internationale qu'anglaise, dans laquelle il y a des Gascons, il y a des Italiens, il y a des Normands, comme le fameux Godefroy d'Harcourt, qui vont affronter donc l'armée capétienne. Mais Philippe VI de Valois, dans un premier temps, se dérobe. Et Édouard III, encouragé, n'hésite pas même à signer des actes officiels avec les titres de roi de France et d'Angleterre, car il est lui-même tout à fait convaincu de la légitimité de ses droits au trône de France, du fait que sa mère était une fille de Philippe le Bel. Hein. Finalement, Édouard, c'est une ruse pour entraîner l'adversaire, pour faire qu'il le suive, va remonter en direction de la Picardie, et c'est dans ces conditions, le 26 août 1346, que va se livrer la bataille de Crécy. Hein, on en connaît les grandes étapes. Hein. Les Anglais sont en défensive, avec leurs archers gallois, qui constituent une force redoutable, avec des coutiliers destinés à se glisser entre les combattants à cheval pour venir porter des coups fatals aussi bien aux chevaux qu'aux chevaliers tombés. En face, il y a la cavalerie lourde, la chevalerie traditionnelle qui est pressée dans des courbes, qui veut foncer dans le tas pour se couvrir de gloire. Nous sommes tout à fait dans les mentalités guerrières médiévales. Et dans ce combat, eh bien, le jeune Édouard est au premier plan, il commande l'avant-garde et c'est peut-être le vêtement noir ou l'armure noire, ce qui paraît plus incertain, qu'il portait à l'époque, qui lui vaudra son surnom, un surnom qui n'interviendra d'ailleurs que près de 2 siècles après sa mort. Donc nous sommes là un petit peu dans le domaine de la légende. Hein. Il y a là 15 000 Anglais contre 40 000 Français, mais cela se vérifiera à plusieurs reprises durant cette période, au cours de ce siècle, hein, eh bien, des corps de fantassins, ici les archers gallois,
bien organisés en défensive, vont se retrouver en situation de tenir en échec la cavalerie lourde, la chevalerie traditionnelle. C'est le scénario qui va se dérouler à Crécy. 10 ans plus tard, il en ira à peu près de même à Poitiers. Ensuite, en 1395, eh bien, les chevaliers d'Occident seront vaincus à Nicopolis par les janissaires du sultan Bajazet l'Éclair. Et puis ensuite, en 1415, surtout, Azincourt sera évidemment une nouvelle répétition de ces batailles où la chevalerie traditionnelle se perd dans des charges inutiles et se trouve confrontée à un échec total. Alors le bilan de Crécy est catastrophique pour les Français, une bonne partie de la chevalerie française meurt à Crécy, la mort de Jean de Luxembourg, qui le roi de Bohême, qui combat du côté français et qui incarne un petit peu justement les valeurs chevaleresques traditionnelles, résume un petit peu ce qui s'est passé ce jour-là. Le prince noir reprendra d'ailleurs la devise de ce Jean de Luxembourg, à savoir « je sers ». Et il reprendra aussi dans son uniforme les trois plumes d'autruche blanche qui faisaient partie aussi de la tenue et des armes, surtout du roi en question. Édouard de Woodstock, là, a accédé à la gloire. Il n'a que 16 ans. Et les choses vont se confirmer. On va le voir se distinguer ensuite au siège de Calais. Dans les mois qui suivent, eh bien, les succès anglais sont aussi les siens. Il est fait chevalier de l'ordre de la Jarretière que vient de créer son père. Hein. Il sait s'entourer de chefs de guerre remarquables. Ainsi, Jean de Grailly, celui qu'on connaît sous le nom de Captal de Buche, qui est un gentilhomme gascon. Il épouse Jeanne, la fille du comte de Kent, qui lui donnera 2 enfants, Édouard qui mourra en bas âge, Richard qui sera le futur roi d'Angleterre, Richard II. Mais pendant ce temps, le conflit franco-anglais continue et en avril 1355, le Parlement de Londres va le désigner, lui, le prince de Galles, comme lieutenant général d'Édouard III en Aquitaine. Là, il prend vraiment la dimension aquitaine qui colle en quelque sorte à son personnage. Hein. Il s'embarque donc pour Bordeaux, avec le captal de Buche que j'évoquais il y a un instant, avec un autre chef de guerre brillant, John Chandos, qui va combattre également à ses côtés. Il réalise une arrivée triomphale à Bordeaux, il est très bien reçu par les Bordelais, il va faire battre monnaie sur place, hein, pousser des chevauchées contre les seigneurs gascons qui sont encore pro-français, c'est-à-dire qu'il va répandre la terreur dans des régions entières, notamment sur l'Armagnac, il va multiplier les destructions et les pillages. On a pu parler à propos du prince noir de colonnes infernales, au même titre que celle de Turou en Vendée. Il s'agit de terroriser localement les populations si elles sont réticentes. Il va pousser ainsi des pointes jusque vers Toulouse, Castelnaudary, Narbonne, Béziers, créant ainsi l'insécurité dans toutes les régions méridionales du domaine capétien. Il peut ainsi écrire à l'évêque de Winchester « Nulle journée sans que de bonnes villes et forteresses ne fussent brûlées ou détruites ». Voilà, en se flattant évidemment de ce bilan. Et il y a les bonnes villes et les forteresses, les monastères et les églises ne sont pas épargnés. Alors, durant l'hiver suivant, les festivités se multiplient à Bordeaux du fait des nombreux pillages qui ont été perpétrés. Et puis à l'été 1356, eh bien, on va monter cette fois vers le nord. Il s'avance en direction du Périgord, de Bergerac, de Périgueux, beaucoup plus au nord en direction du Berry, vers Issoudun, vers Bourges, revient vers Tours. Mais cette fois, le roi de France, Jean le Bon, a rassemblé une armée impressionnante de 40 à 60 000 hommes à Chartres, et les 6-8 000 hommes du prince noir, évidemment, ont peut-être quelques soucis à se faire. Et en fait, le prince noir ne souhaite pas affronter tout de suite l'adversaire capétien, parce qu'il attend un débarquement en Normandie du duc de Lancastre, qui doit permettre de prendre à revers les forces du roi de France, coincer en quelque sorte les Français. Alors il va continuer ses manœuvres de déception, marcher vers Châtellerault, revenir vers Tours, se replier vers Poitiers, et puis là, il est poursuivi par l'armée française, et là va se livrer la bataille
bataille de Poitiers. Les premiers contacts sont pris à Maupertuis, non loin de Poitiers. On s'observe d'abord, il est même question d'un semblant de négociation entre les deux forces. En fait, le prince noir a voulu s'assurer un temps de répit pour installer une position défensive solide sur une petite colline. Et le 19 septembre 1356, c'est le choc. Les troupes royales vont attaquer les positions anglaises très solidement établies. On est un petit peu dans la confusion que l'on a connue déjà à Crécy. C'est un peu le même scénario qui se répète. La chevalerie pense que l'effet de choc que va produire ces charges va être suffisant pour l'emporter. Mais en face, encore une fois, il y a les archers gallois qui créent des vides dans ses rangs, et une troupe d'infanterie bien installée en défensive peut réussir à contenir les charges de l'adversaire. On aura encore une fois le même scénario à Azincourt en 1415. Et les choses, effectivement, vont tourner à un affrontement général et sanglant dans lequel Édouard lui-même est directement menacé pendant un temps, mais lui et ses troupes tiennent bon. Puis c'est le tour ensuite de Jean le Bon d'être menacé. Alors on connaît la situation et la formule célèbre de son fils Philippe le Hardi, le futur duc de Bourgogne, père gardez-vous à droite, père gardez-vous à gauche. Mais tout cela ne suffit pas puisque Jean le Bon est fait prisonnier. Le roi de France est fait prisonnier 10 ans après Crécy. C'est une nouvelle victoire complète pour les Anglais. Et le prince noir est accueilli à Bordeaux triomphalement. Encore une fois, les Bordelais lui sont tout à fait favorables. Nous ne sommes pas dans une époque où existe le sentiment national qui va commencer à se forger ultérieurement. Il faut attendre la première moitié du XVe siècle. Tout ça est résumé un peu par l'épopée de Jeanne d'Arc. À l'époque, les choses sont encore différentes. La France, le royaume de France doit signer le malheureux traité de Bretigny en 1360. Édouard de Woodstock, le prince de Galles, est fait prince d'Aquitaine. Il va tenir à Bordeaux une véritable cour. Les festivités se multiplient, les tournois, les Bordelais sont satisfaits. La ville connaît à l'époque un essor spectaculaire, fondé sur les exportations de vin, justement, en direction de l'Angleterre. C'est une des grandes périodes d'apogée, de prospérité de Bordeaux durant ces quelques années. Et puis, la guerre continue quand même. Le nouveau roi Charles V peut s'appuyer sur Bertrand du Guesclin, qui a remporté contre le roi de Navarre, Charles le Mauvais, la victoire de Cocherelle en 1364. Rien n'est joué encore dans la lutte entre les deux grandes lignées capétiennes et plantagenêtes. C'est à ce moment que du Guesclin est chargé de conduire en Espagne les fameuses grandes compagnies. Ces troupes mercenaires, ce qu'on appelait les écorcheurs également, qu'il fallait encourager à quitter le royaume de France. Du Guesclin va assumer cette mission, mais il s'agit d'aller en Espagne pour intervenir dans la guerre qui oppose dans le royaume de Castille deux candidats au trône, Pierre Ier, surnommé le Cruel, et Henri de Trastamare. Les Français soutiennent Trastamare, mais le prince noir, lui, de sa position aquitaine, voit bien l'importance de l'enjeu stratégique que représente l'Espagne. Et il va soutenir, lui, Pierre le Cruel. Donc on se bat en Espagne par Castillan interposé, ou même directement, les batailles de Najera notamment, où du Guesclin est fait prisonnier, et puis la bataille de Montiel, où finalement c'est Trastamare qui tue Pierre le Cruel. Mais entre-temps, le prince noir a vieilli, il est malade, il a des troubles cardiaques notamment. En plus, le Castillan, Pierre le Cruel, n'a pas payé les troupes qui avaient été engagées par le prince noir, qui doit donc augmenter les impôts sur l'Aquitaine pour pouvoir le faire, ce qui renforce le parti français en Aquitaine contre lui. Et puis de toute manière, le personnage est atteint d'un certain épuisement et il va repartir vers l'Angleterre où il va mourir en juin 1376 à l'âge de 46 ans. Grande perte pour la monarchie anglaise.
Édouard III lui a régné plus de 50 ans, mais le prince noir ne montera lui jamais sur le trône. Hein. On lui fait des obsèques solennelles à Westminster, et ce qui est à noter, c'est qu'à la Sainte-Chapelle du roi de France à Paris, on organise aussi des obsèques en l'honneur du prince noir, le roi lui-même déclarant que le défunt a régné puissamment et vaillamment. Hein, on retrouve là un esprit du XIVe siècle, évidemment, qui est différent de ce que sera l'esprit des luttes nationales ultérieures. Hein. En tout cas, Edward Woodstock aura été l'un des grands hommes de guerre du XIVe siècle. – Et puis, prince noir, ça fait rêver. – Voilà. – Voilà. Restez avec nous. Je vais vous raconter l'histoire d'un saint qui mériterait d'être plus connu. Il est connu, mais surtout dans le Morbihan et puis en Espagne. Il s'agit de saint Vincent Ferrier. Saint Vincent Ferrier, eh bien, c'est un Espagnol qui naît en 1350 à Valence, en Espagne, dans une famille de bonne bourgeoisie. Son père est notaire. Ferrier, ça veut dire forgeron. En espagnol ancien, c'est ferrer, en fait. Mais les parents étaient d'un bon niveau. Et son petit frère Boniface finira prieur des Chartreux dans la région de Grenoble, la Grande Chartreuse. Donc c'était une famille extrêmement pieuse et surtout le petit Vincent, nommé Vincent par ses parents à cause de saint Vincent et Valère, des martyrs qui étaient particulièrement aimés par cette famille. Alors Vincent va rentrer chez les Dominicains. C'est un ordre relativement neuf à l'époque, c'est à peu près 150 ans, et il s'y sent tout de suite très bien. Il va avoir la tonsure à l'âge de 7 ans, parce qu'il a décidé de consacrer sa vie à Dieu, et il va faire des études heureuses avec ses dominicains de Valence jusqu'à l'âge de 18 ans. Et là, il est tellement brillant, tellement intelligent, tellement avide de savoir, et bien que c'est un peu le programme Erasmus avant la lettre, on va l'envoyer à Barcelone, puis à Toulouse pour finir des études de théologie. Il va écrire des livres. Et à 28 ans, il devient enfin prêtre. Il était moine sans être prêtre. Et voilà, là, il est armé pour les 40 ans qui vont suivre. Et sa passion, ce sont les prêches. Il aime ça chez les Dominicains, c'est le côté frère prêcheur. Et pendant 40 ans, en gros, il ne va pas arrêter de sillonner l'Europe. L'Europe, alors l'Espagne, bien sûr, la France, une partie de l'Italie et la Suisse. Il va faire des milliers et des milliers de kilomètres. Et c'est une époque extrêmement troublée. On dirait aujourd'hui les heures les plus sombres de notre histoire. Ben c'était ça pour la chrétienté. C'est l'époque du grand schisme d'Occident. Et il va y avoir les papes d'Avignon, puis deux papes, donc le schisme. Et c'est une période épouvantable pour les croyants, c'est, qui ne savent plus à quel pape se vouer. Et ça va torturer, bien sûr, Vincent Ferrier, qui, par des raisons simplement amicales, se trouve proche du cardinal Pedro de Luna, qui va devenir le pape Benoît XIII. Et ils sont amis. Il est le confesseur de ce Pedro de Luna, qui est un personnage absolument flamboyant, qui mériterait une émission évidemment à lui tout seul. Et donc il va être de son côté, mais de plus en plus mollement, j'allais dire, parce que le personnage est extrêmement arrogant, sûr de lui, cassant, refusant toutes les mains tendues par le pape de Rome. Et le pauvre Vincent Ferrier, et on le sent absolument torturé et il prie beaucoup, il espère un signe de Dieu. Il s'est installé à Avignon avec Benoît XIII, mais il n'y est pas heureux du tout dans cette ambiance de cour papale, avec c'est un endroit qui est à l'époque vraiment un endroit d'intrigue. Il tombe malade. C'est psychologique peut-être, et dans une nuit, il a une apparition du Christ et de Saint Dominique qui lui disent, en gros, quitte cette cour, éloigne-toi de ce pape, qui sera appelé l'antipape après,
et reprends ton bâton de pèlerin et va prêcher. Et c'est ce qu'il va faire. Il prend énormément de distance avec Benoît XIII et jusqu'à la rupture totale. Et Benoît XIII finira eh bien, renié par tout le monde, tout seul à Peniscola, où à presque 100 ans, hein, je crois qu'il avait 98 ans ou quelque chose comme ça, tous les matins, il monte à la tour pour lancer des anathèmes contre ceux qui ne l'ont pas suivi. C'est une autre histoire. Alors, il va énormément prêcher, Vincent Ferrier, et il faut penser que c'est aussi le temps de la grande peste. Et pour la plupart des gens, c'était la fin du monde, quoi. On se disait que Dieu avait abandonné les humains. Et souvent, Vincent Ferrier est représenté avec une trompette à la main. C'est la trompette de l'Apocalypse, parce qu'en gros, il disait « Préparez-vous à la mort ». Mais il le disait en laissant une petite touche d'espoir quand même, et c'est pour ça qu'il va avoir tellement de succès, tellement de succès. Alors, il est suivi de flagellants aussi, ça sera un des saints qui va s'entourer, vous savez, de ces flagellants qui, au départ, étaient là pour accompagner les condamnés à mort, et puis finalement, c'est une tradition qui va perdurer, mais là aussi, il reste extrêmement mesuré, c'est pas un excité quand même. Hein. Il a une carrure assez mince, assez nerveuse, il n'a pas une très bonne santé, mais quand il arrive dans une ville, alors on lui fait une estrade très en hauteur, parce que des milliers de gens viennent l'écouter, et alors qu'il paraît un petit monsieur tout épuisé dans son coin, il monte sur l'estrade, commence par prier la Vierge Marie et fait 2 heures de prêche et les gens sont fascinés. Il va même réussir à convertir, dit-on, 800 musulmans à Grenade, tellement son prêche est extraordinaire. Alors on disait qu'il avait le don des langues, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, le fait est qu'il prêchait dans des coins différents et en Bretagne, au début du XVe siècle, les gens ne parlaient même pas français, ils parlaient breton. Donc, en quelle langue prêchait-il? Je ne sais pas trop, mais il avait certainement un don, un charisme extraordinaire. Alors, il va être aussi confronté au problème des Juifs. Et là, ça se gâte un peu, parce que c'est l'époque où il y a quand même des soucis en Espagne, entre les Juifs et des pogroms, oui, disons-le. Alors, lui, bon, il veut convertir les Juifs, mais il veut le faire par la douceur. Et il écrit: les apôtres qui ont conquis le monde ne portaient ni lance ni couteau. Les chrétiens ne doivent pas tuer les juifs avec un couteau, mais avec la parole, c'est-à-dire les ramener au christianisme. Les émeutes contre les juifs sont contre Dieu lui-même. Les juifs doivent venir d'eux-mêmes au baptême. Alors, en revanche, ceux qui ne viennent pas, là, il est assez sévère et il va créer les Juderia, les quartiers juifs, hein, qu'on connaît encore aujourd'hui. La rue des Juifs, il y en a un petit peu partout dans toutes les villes, et beaucoup en Espagne en particulier. Alors, il devient très connu par ses prêches. Il va même rencontrer le roi d'Angleterre, par exemple, parce qu'on est aussi en pleine guerre de 100 ans. Et certaines provinces françaises sont vraiment ravagées par cette guerre de 100 ans. Donc il a sur les bras le problème des papes, il a la peste, il a les juifs, les musulmans un petit peu, et puis il a la guerre de 100 ans. Alors finalement, c'est le duc Jean V de Bretagne qui va lui écrire, et je crois qu'on a encore la lettre, ce qui est remarquable, en lui demandant de venir évangéliser la Bretagne, qui était, la Bretagne, c'était souvent retentée par le paganisme, etc., même aussi tardivement que le début du XVe siècle. Donc il va venir en Bretagne, et là il va faire un grand tour en Bretagne, et en particulier à Vannes, en multipliant les miracles. Alors bon, des miracles, j'allais dire, assez banals, le paralytique qui marche, la femme sourde depuis 6 ans qui entend, l'aveugle qui revoit. Du coup, évidemment, tous les malades accourent dès qu'il arrive quelque part, et on suit sa trace dans toutes les petites villes de Bretagne. Et il y a à Vannes un miracle que moi je trouve sensationnel. À mon avis, c'est le seul saint qui a fait ça. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais si non est vero, bon. Il y avait une jeune femme mariée et qui était extrêmement laide, tellement laide que son mari prétendait la révoquer, enfin divorcer. Et elle est venue
pleurer au pied de Saint-Vincent Ferrier, qui l'a rendue extrêmement belle. Et du coup, le mari l'a gardée. Moi, j'aurais été la fille, je serais partie. Hein, mais enfin, ça, c'est à part. Et en tout cas, il est épuisé par cette vie, 69 ans sur les routes. Il veut retourner mourir à Valence. Il fait une journée de route et puis il se rend compte qu'il est de nouveau devant les murailles de Vannes. Et alors il dit « Dieu veut que ce soit ici le terme de mon voyage. Ici sera mon repos jusqu'à la fin des temps. » Et il est toujours enterré dans la cathédrale de Vannes. Et il y a toujours des pèlerins qui viennent le prier. Il a un fort beau tombeau dans une chapelle qui est maintenant bien à part de la cathédrale, mais qu'on peut visiter. Et puis, il est prié contre l'épilepsie, les maux de tête. Et c'est le saint patron des carreleurs, des couvreurs, des peintres en bâtiment. Il mériterait d'être portugais, mais non, il est espagnol, Saint-Vincent Ferrier. En tout cas, un homme extraordinaire et qui a laissé une trace profonde dans le Morbihan et j'espère ailleurs. Bravo, Vincent Ferrier. Alors nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Gilles Ardina, que vous avez eu l'occasion déjà de voir, puisque c'est, je crois, la quatrième fois qu'il vient à notre émission. C'est un vieux fidèle. Gilles Ardina, qui nous vient de Béziers, où il est professeur d'histoire-géographie. Il est également chargé de cours à l'Université de Montpellier. C'est donc un professeur de géographie et un petit peu de géopolitique, puisqu'il nous a donné, il y a quelque temps, un ouvrage consacré à la mondialisation en 10 leçons, paru aux éditions Ellipse, que je recommande très vivement à nos téléspectateurs, car il est clair très complètement les enjeux de la dite mondialisation. Alors, Gilles Ardina, aujourd'hui, vous avez souhaité venir nous parler de l'Ancien Régime. Alors, ce terme d'Ancien Régime, a priori, c'est un petit peu comme le terme de Moyen-Âge, parfois. Oui. Hein. Il y a une connotation automatiquement péjorative, une connotation qui fait que l'Ancien Régime, c'est synonyme d'oppression, d'injustice, d'obscurantisme, d'inégalité, enfin, tout y passe, un petit peu comme le terme de Moyen-Âge, lui aussi, très injustement utilisé. Alors, quelle est l'origine, en fait, du terme, et comment cette lecture, une lecture aussi négative, s'est installée, s'est instaurée ? Vous avez raison, il y a une connotation péjorative quasi systématique, mais ce terme, ce n'est pas uniquement un terme péjoratif, c'est aussi un terme qu'on a tendance à oublier. Les Français, aujourd'hui, savent très peu de choses sur ce moment historique, qui pour autant est glorieux et essentiel. – Et oui, puis qu'il y a une séquence d'une certaine longueur. De trois siècles. Mmh. Les Français savent peu de choses. C'est un terme donc oublié, notamment dans les programmes scolaires que je connais bien. On a en primaire un petit moment sur Louis XIV et le château de Versailles au CM1. Au collège, des leçons très rapides, mais donc en cinquième et en quatrième, mais avec une vision complètement mondialisée, internationalisée, basée sur les échanges, avec d'ailleurs un gros focus sur l'esclavage, la traite transatlantique et tous les aspects du récit national français, des rois et puis de l'appareil institutionnel, tout ça est évacué du programme. Mmh. Et puis en seconde, on effleure cette notion d'Ancien Régime, mais uniquement par le prisme de la Révolution qui va arriver. Mmh. Hein, donc c'est un terme et une période totalement méconnue et caricaturée, vous l'avez bien dit. Alors l'origine du terme vient de la Révolution française, c'est-à-dire que ce sont les opposants qui ont nommé l'Ancien Régime. On sait que Mirabeau, notamment dans ses discours, a popularisé ce terme-là. Et il va être ensuite utilisé par toute une tradition libérale et républicaine, avec la connotation que vous donniez, et il va être intégré dès le 19e siècle comme un concept historique, pour sortir du discours politique, pour devenir un objet historique, et notamment Alexis de Tocqueville, avec son ouvrage de 1856, L'Ancien Régime et la Révolution, va inscrire dans la terminologie des historiens ce terme d'Ancien Régime.
Et à partir de ce moment-là, ça devient un objet d'étude majeur et un objet de débat aussi assez vif entre les historiens. Oui, puis avec de belles synthèses au tournant des années 60, celles de Pierre Goubert, d'Hubert Métivier, qui ont donné une description très complète de l'Ancien Régime, justement, de ce qu'était la France d'avant la Révolution. Voilà, les historiens, d'ailleurs, quelle que soit leur tendance politique aujourd'hui, on fait cet effort de dissiper les caricatures, les images d'Épinal, pour montrer quelle était la réalité institutionnelle, sociale. Et donc l'échange que l'on va avoir, vous et moi, finalement ferait consensus chez la plupart des historiens, et c'est plutôt contre une certaine vulgate journalistique, contre une certaine propagande politique, que je souhaite remettre les points sur les i sur cette période d'Ancien Régime. – Oui, je crois que vous avez tout à fait raison de dire que les historiens ont fait le ménage, dans quelque sorte, dans ce domaine. Je pense notamment à Roland Mounier, par exemple, et puis à toute son école, avec un certain nombre d'historiens remarquables qui ont suivi, comme Jean Meyer et quelques autres. Cet Ancien Régime, donc, c'est une période dont on fixe les dates à quelle hauteur, sur le plan chronologique ? Alors, la date de fin fait l'unanimité. C'est la révolution de 1789, qui permet à Louis XVI de rester sur le trône encore quelques années, mais qui, sur le plan des institutions, marque une césure très nette, qui est même reconnue au plan international, comme césure historique très importante. 1789, sur la borne de départ, il y a des fluctuations en fonction des approches et des historiens. La plus communément admise, c'est 1515, le début de règne de François Ier. Alors, cette date de 1515 ne marque pas de rupture sur le plan dynastique, puisqu'on reste dans la branche des Valois. Mais pour la plupart des historiens, s'opère un basculement à partir de François Ier. C'est la montée en puissance de l'État royal, de la monarchie, c'est-à-dire du fait étatique. Donc l'Ancien Régime, si on doit le définir, c'est à la fois une période historique, 16e, 17e, 18e siècle, qui est liée à un mode de fonctionnement politique. Donc c'est à la fois une période et un système politique sur trois siècles. – Est-ce que certains n'auraient pas tendance à placer le moment de départ plutôt avec l'avènement de Louis XIII au début du VIIe siècle ?– Il y a là-dessus, en fonction des manuels, des ouvrages… – La séquence allant jusqu'à l'instauration du pouvoir royal Louis XIVien. – Voilà, c'est toute la difficulté du départ, puisque… il y a un véritable prolongement, même depuis le Moyen-Âge, la volonté donc de construction de l'État. En fait, on peut voir une continuité depuis les premiers Capétiens, 987. Pendant la période du Moyen-Âge, les Capétiens ont surtout œuvré à unifier la Francie occidentale, qui va progressivement s'appeler la France, en évacuant la présence notamment des Anglais et en élargissant le domaine royal. Et une fois cette assise territoriale constituée, on peut passer justement à la construction institutionnelle, à ce renforcement qui commence à partir de François Ier. Donc en quelque sorte, il y a effectivement une continuité et les historiens ont du mal parfois à passer le curseur de départ. – D'accord. Et alors, cet Ancien Régime, dont on a une image généralement négative, péjorative, en réalité, que devons-nous en retenir aujourd'hui? Parce qu'il a été un élément constitutif important dans la construction, de la France. La France n'a pas commencé, comme certains le rêvent parfois, en 1789. – Oui, mais en fait, les réalisations, puisque c'est votre question, les réalisations de l'Ancien Régime, elles sont à la fois innombrables et considérables par leurs conséquences et d'ailleurs par leur réussite sur le long terme, puisqu'énormément des choses qui sont posées à cette époque-là vont durer, pour certaines, jusqu'à nos jours. Et il faut être clair également là-dessus, c'est la période d'apogée pour la France. C'est donc une période de gloire, de magnificence,
que malheureusement trop peu de Français connaissent, et se réapproprier ce passé, c'est se réapproprier aussi la connaissance de ce qu'est la France. – Il résume ça à Versailles peut-être. – Voilà, alors il y a Versailles qui garde effectivement quand même une importance. – Qui maintient une certaine mémoire de grandeur de cet ancien régime. – De cette période. – Mais qui en même temps est contestée à travers les politiques de Louis XIV, le roi de guerre, la politique hostile aux protestants. Voilà, et puis toutes sortes de visions qui sont souvent anachroniques. Alors si on doit retenir dans les réalisations les plus considérables, il y a l'œuvre d'abord politique. Mm-hmm. Une œuvre politique qui est la construction de l'État. On aime beaucoup en France aujourd'hui parler d'État républicain, etc. Cet État s'est greffé sur une construction multiséculaire dont l'Ancien Régime a vu l'aboutissement. Avec des quantités d'institutions comme les intendants, avec la mise en place du français, l'ordonnance de Villers-Cotterêts sous François Ier en 1539. L'unification linguistique. Voilà, l'unification linguistique, donc le français devient langue administrative, la mise en place aussi avec l'Église de des registres, qui sont une source d'ailleurs historique tout à fait importante. Donc, l'état civil. L'idée que l'identité française, c'est son identité linguistique, on le doit en grande partie à cette période-là. Puisque le français d'ailleurs va se fixer, le français classique, à partir de Louis XIII. Donc une unification politique, la construction de l'État, l'armée française qui pendant cette période-là devient la meilleure armée du monde de son époque, capable d'affronter des coalitions gigantesques en Europe. Et on va passer, loin de l'immobilisme qu'on a souvent en tête, d'une armée de type féodal à une armée semi-professionnelle dont l'effectif va considérablement augmenter. On arrive jusqu'à 400 000 hommes en armes lors des dernières guerres de Louis XIV. Voilà, c'est gigantesque comme armée. Les uniformes, qui est un apport de Louvois. Oui, il y a toute la réorganisation due à Louvois. Donc un apport donc, dans l'armée, dans la politique, l'unité territoriale du royaume. Donc une œuvre institutionnelle et politique gigantesque qui a mené la France à son apogée. – Le verrouillage du royaume par Vauban, voilà, qui a fait que la France n'a pas connu la guerre sur son sol pendant tout le XVIIIe siècle, voilà, jusqu'à la Révolution. – Tout à fait, donc ces réalisations sont vraiment importantes, et un autre élément sur lequel il faut insister, c'est l'aspect territorial. Parce que l'hexagone que l'on contemple aujourd'hui, cette France dont on est fier, elle doit énormément à cette période-là. – Pas tombée du ciel. Hein, – voilà, n'est pas tombée du ciel. Avec le rattachement, par exemple, définitif de la Bretagne en 1532, sous François Ier, et deux règnes essentiels pour la construction de notre territoire, celui de Louis XIV, nos amis roussillonnais, franc-comtois, alsaciens, artésiens, nordistes, flamands, tous ces gens-là sont français du fait de la réussite diplomatique et militaire de Louis XIV. Même chose sous le règne de Louis XV, deux acquisitions majeures, la Corse et la Lorraine. Et ce qui est important, c'est que toutes ces acquisitions territoriales sont des acquisitions durables. Parce qu'il faut noter, par exemple, que les guerres de la Révolution et de l'Empire, que l'on présente comme des moments glorieux, sur le plan territorial, ça se solde par un échec total et le retour aux frontières de départ. Donc l'Ancien Régime va construire le territoire, notre hexagone, mais également, on a tendance à l'oublier, nos territoires d'outre-mer, dont beaucoup aussi se glorifient aujourd'hui, nos territoires maritimes, notre zone économique exclusive, doit beaucoup à cette époque. La politique d'outre-mer commence aussi là avec François Ier, le voyage de Jacques Cartier, la construction d'un premier grand empire colonial, principalement américain, qui va être perdu au moment de la guerre de 7 ans. Donc ça, c'est une grande défaite, imputable à l'Ancien Régime et donc au règne de Louis XV. Néanmoins, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Antilles, la Guyane. Les Mascareignes, la Réunion, et à l'époque la future île Maurice. Voilà, et l'île Bourbon, qu'on appelle aujourd'hui la Réunion. L'exploration du Pacifique, avec la Pérouse. Toute cette politique outre-mer a posé tous les jalons et nous a permis d'avoir aussi nos territoires. Donc vous voyez, sur le plan territorial, il y a un héritage formidable qu'on a tendance à oublier, et une vraie réussite de ce point de vue-là pour cette période. – Une réussite géopolitique qui donne à la France son unité territoriale, parce qu'on fait aussi les choix qui sont les bons, après les rêves italiens qui vont très vite se dissiper, c'est la marche au Rhin donc, qui commande la politique française, notamment… partir d'Henri II et puis ensuite de Richelieu. Et ça, évidemment, c'est le fait de l'Ancien Régime. Il y avait la fameuse formule des 40 rois qui, en 1000 ans, firent la
France. Tout à fait. Effectivement, c'est une donnée fondamentale. Voilà. Donc, cette construction territoriale, donc les Capétiens ont fait la France sur le plan territorial, sur le plan institutionnel, et cette période d'ancien régime en est finalement l'aboutissement. Alors, vous insistez aussi, je crois, beaucoup sur tout l'héritage culturel, intellectuel de l'Ancien Régime, voilà, patrimonial, on pourrait dire, aujourd'hui. En termes de patrimoine, l'apport est gigantesque, puisqu'on a à cette époque-là, notamment le XVIIe siècle, l'apogée de la civilisation française. Là, on a plus parlé de puissance, mais c'est l'apogée de la civilisation française. Une civilisation d'une richesse incroyable, dont on ne pourrait pas faire l'inventaire dans cette émission. Je vais juste retenir des aspects principaux. Patrimoine architectural, les châteaux de la Loire, cette magnificence, cette parure, ces centaines de châteaux que l'on construit à l'époque avec des moyens très limités. Donc on voit l'effort qui a été consenti à l'époque par l'État français. Et puis le château de Versailles dont vous parlez, qui font ces deux patrimoines architecturaux reconnus par l'UNESCO. L'attractivité touristique française doit beaucoup à cette période-là. Un château de Versailles qui va servir de modèle à toute l'Europe au siècle suivant. On va retrouver des Versailles à Naples, en Espagne, en Bavière, en Prusse, en Suède, etc. Et à l'époque, la France donne le là, tant sur le plan des institutions, puisque le royaume de France est envié par son unité, par son réseau de routes, de postes, est envié du monde entier, mais également sur le plan culturel. Avec cette culture classique. C'est l'époque où l'Europe parle français, au XVIIIe siècle. Grâce au dynamisme littéraire et à la diplomatie, le français devient la langue internationale, la langue de référence de tous les lettrés, et puis sur le plan de la peinture, de la musique avec Lully, du théâtre, de la philosophie avec, avec Pascal, on a vraiment... sur le plan du patrimoine immatériel également, un apport gigantesque qui a tendance souvent à être oublié, mais qui est d'une richesse inouïe et qu'on ne peut pas séparer du contexte institutionnel et idéologique de l'époque, bien évidemment. Oui. Tout ça forme un tout qu'il s'agit de valoriser. – au mécénat royal, on pense à la création des diverses académies par très le 14, important. Par exemple. Cette richesse d'ailleurs du patrimoine contraste avec ce que sera la période de la Révolution, parce qu'on a tendance à l'oublier, la période de la Révolution sur le plan du patrimoine est une véritable catastrophe, avec une période de vandalisme comme la France n'en a jamais connue. – Elle en avait connu une un peu comparable à l'époque des guerres de religion. – Voilà, avec les huguenots. – a été sans doute même plus dévastateur que n'a été le vandalisme révolutionnaire. – Voilà, mais un vandalisme tout à fait effrayant, là où l'Ancien Régime avait vraiment le souci de conserver et de transmettre ce dont on bénéficie encore aujourd'hui, heureusement. – Alors, cet Ancien Régime, on l'a dit, très mauvaise réputation dans la sphère journalistique. La sous-culture journalistique répète régulièrement les mêmes choses à ce sujet. Et l'un des reproches principaux, ça consiste à assimiler l'Ancien Régime à des termes comme tyrannie, comme dictature. Comme régime, on a même vu régime totalitaire. – Oui, alors… – Qu'est-ce que l'on peut répondre? Alors, il faut une réponse, nuancée. Il faut déjà définir ce que serait une tyrannie. En sciences politiques, une tyrannie, c'est un régime qui à la fois va utiliser de la violence de manière excessive, qui à la fois va être arbitraire, c'est-à-dire que ceux qui dirigent décident sans aucun cadre, et puis un régime illégitime qui se fait contre l'assentiment de la majorité. Ce serait ça une tyrannie. Et l'Ancien Régime est exactement l'inverse de ce concept-là. – Alors ça, c'est la tyrannie telle que l'imagine le XVIIIe siècle et les hommes de la Révolution. Parce que la vraie tyrannie dans la Grèce antique, c'est tout à fait différent, ça correspond souvent à des mouvements populaires. – Oui. Donc la tyrannie telle qu'on l'entend même encore aujourd'hui répond à ces critères. Là. Donc, voilà, il faut être très clair, l'Ancien Régime, pour la question de la violence politique, c'est un régime, qui utilise la répression. On a des phases de répression qui utilise la force pendant ces trois siècles. C'est une réalité, une répression que l'on voit dans le domaine, vous parliez par exemple des huguenots qui seront régulièrement persécutés, des révoltes antifiscales ou des révoltes paysannes qui sont réprimées. – Les révoltes nobiliaires. – Voilà, les révoltes également nobiliaires. On sait que c'est un pouvoir qui use de la violence, mais c'est une violence qu'il faut contextualiser et qui est tout à fait limitée.
Si on compare par exemple à ce qu'ont été les répressions au moment de la Révolution française, c'est évidemment infime. Par exemple, un symbole, la Bastille, qui est souvent présentée comme le symbole justement d'une certaine tyrannie, au moment de la prise de la Bastille en 1789, c'est une prison royale qui est quasiment vide, les 7 détenus qui y sont n'étant même pas des détenus politiques, mais des escrocs ou des aliénés. Donc c'est vraiment symptomatique justement de l'existence des lettres de cachet, de la répression, mais qui est par son ampleur extrêmement limitée et sans commune mesure avec ce qui se fera après. – À l'époque contemporaine. – À l'époque contemporaine. – Notamment pendant la Révolution. Et pendant la Révolution. – Ces lois des suspects, ces massacres de septembre et sa grande terreur décidée au printemps 94. – Il faut bien se dire qu'en une seule année, les tribunaux révolutionnaires vont condamner à mort 30 000 personnes qui seront exécutées. Que les massacres dans l'Ouest, notamment en Vendée, c'est 200 000 morts. Ces répressions de masse qui sont le fait de la Révolution n'existent pas sous l'Ancien Régime. Donc là-dessus, il faut avoir une réponse nuancée et recontextualiser cette violence qui était tout à fait contenue comparativement à ce qui se passera, notamment au moment de la Révolution. Autre élément de la tyrannie, c'est l'idée d'un pouvoir arbitraire. Un pouvoir arbitraire où le terme de bon plaisir du roi a été souvent mal compris. Il faut être clair là-dessus aussi, le roi de France ne fait pas ce qu'il veut au pouvoir. – Il y a des limites au prétendu absolutisme. – Voilà, alors le terme d'ailleurs, absolutisme… – D'ailleurs, nos historiens d'aujourd'hui, sur ce terme absolutisme, ils préfèrent, c'est Pierre Chaunu qui m'avait repris d'ailleurs à ce sujet, ils préfèrent le terme de monarchie administrative au terme de monarchie absolue. – Oui, puisque cette théorie du pouvoir absolu qui commence avec Baudin au XVIe siècle, c'est une théorie du pouvoir qui va être ensuite le terme absolutisme utilisé par les tribunaux révolutionnaires, encore eux. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que ces tribunaux, dont on sait les méthodes épouvantables, vont réussir à instaurer un certain nombre d'idées qui durent, qui ont la vie dure jusqu'à aujourd'hui. Donc l'absolutisme, ce n'est pas le règne des caprices du roi, il ne fait pas ce qu'il veut. Le pouvoir est limité par la loi coutumière. Le roi ne peut pas changer ni les règles de succession, ni les institutions, sans en référer à l'ensemble des pouvoirs. Donc, une loi coutumière respectée, des privilèges provinciaux, Personnels. – Privilèges au sens étymologique du terme, étymologique. Et pas au sens péjoratif que l'on donne aujourd'hui à ce terme. – Tout à fait. – Privilèges étant le fait d'une inégalité insupportable. – Ces privilèges, ce sont… – Des lois privées correspondant à certaines catégories de la population. – Ou de certains territoires qui ont un certain nombre de choses que le roi ne peut pas changer selon ses caprices. Également la présence, c'est bien connu, des parlements, qui sont des cours de justice avec un pouvoir de remontrance. Et on sait que tout au long de l'Ancien Régime, le roi va devoir composer avec ses juges qui sont inamovibles, puisqu'ils ont une charge à vie et qui est transmissible. Également le rôle de l'Église. Ce n'est pas le roi de France qui décide ce qu'il faut croire et ce qu'il ne faut pas croire. En matière de dogme, c'est l'Église romaine qui décide en matière de religion. Et toutes les nominations du haut clergé doivent se faire en accord avec Rome. Donc un pouvoir qui est véritablement balisé et qui n'est pas une espèce d'autocratie avec un roi qui disposerait de ses sujets comme bon le semble. Là-dessus, il y a une caricature très très importante qu'il faut corriger. Et très important également, dans la tyrannie, il y a l'idée, la tyrannie d'aujourd'hui, moderne, l'idée d'un pouvoir illégitime, c'est-à-dire d'un groupe qui se maintient en pouvoir contre la vie. Là-dessus aussi, il faut être très clair, le principe monarchique fait l'unanimité à l'époque. – Y compris dans les cahiers de doléances de 1789. Tout il n'y a pas de cahier qui remette en cause le principe monarchique. On critique les ministres du roi, mais le roi lui-même… On sait que ce qui était critiqué, c'était ni la lignée, ni le principe monarchique, ni la grande architecture des institutions. C'était effectivement les défauts du régime, sur son efficacité sur le plan administratif, sur le plan fiscal. Un système qui avait des défauts, défauts qui vont entraîner sa perte. Mais il y a une adhésion qui d'ailleurs, quand on pense à l'impopularité de nos présidents aujourd'hui, qui sont complètement rejetés, à l'époque, toute la population soutient le roi Louis, dont on n'imagine pas, même dans les milieux les plus libéraux, et les idées républicaines sont parfaitement marginales, jusqu'aux années 1790, où là les choses vont effectivement dégénérer. – Alors dans les limites du pouvoir royal, il y a peut-être quelque chose que l'on peut rajouter, ce sont les limites physiques à ce pouvoir. C'est-à-dire que nous sommes dans un État qui, à l'époque, est le plus étendu
étendue d'Europe, hein, ce royaume de France. On sait quels sont les délais qui sont nécessaires quant aux liaisons avec les diverses provinces. Bah, à l'évidence, sur place, les représentants de l'autorité, notamment les intendants, disposent d'une large, de larges initiatives, certainement beaucoup plus que n'en ont les préfets aujourd'hui par rapport au pouvoir central. – Tout à fait, ces limites matérielles sont importantes et ça va d'ailleurs expliquer en partie que cette unité du royaume se fait tout en respectant la diversité des régions, qu'on appelle à l'époque les provinces. Oui. Donc il y a une harmonie, un équilibre qui est trouvé et jamais les rois de cette époque n'ont essayé d'effacer les identités bretonnes ou alsaciennes, ce qui va être la dérive du jacobinisme, ce qui va être toujours le poste cas avec l'abbé Grégoire et la volonté d'imposer partout la langue française, de manière faire autoritaire. Des citoyens parfaitement uniformisés. Voilà. La gestion qu'avait la monarchie traditionnelle de la diversité était évidemment tout à fait différente. Différente. Et concernant les limites de ce pouvoir, juste deux exemples. L'idée d'une dictature à l'époque n'a pas de sens. L'État policier, ça va être l'œuvre de Bonaparte et de Fouché. À l'époque, il y a très peu d'espions, très peu de personnes en prison. Et même chose, les emprisonnements de masse n'ont pas lieu sous l'Ancien Régime. Mais pendant la Révolution, il faut savoir que à l'époque de la Révolution, 500 000 de Français seront mis en prison. Ouais. C'est gigantesque pour une population de 28 millions. Jamais l'Ancien Régime, même en additionnant les milliers de personnes condamnées aux galères, ce qui était d'ailleurs très dur comme condition. Donc là aussi, il faut vraiment contextualiser et se rendre compte que ce pouvoir était tout à fait équilibré, tout à fait modéré, et qu'il a des résultats en termes de politique, parce qu'il faut juger un régime sur ses résultats, qui ont fait la magnificence de la France, que l'on serait tenté parfois même un peu de regretter au vu de ce qu'on doit vivre aujourd'hui au XXIe siècle. Hein, tout à fait. – Merci beaucoup Gilardina pour ce survol trop court de l'Ancien Régime. Hein. Je renvoie nos téléspectateurs aux ouvrages classiques, effectivement, d'Hubert Métivier, de Roland Mounier, de Pierre Goubert, sur cette question s'ils souhaitent en savoir davantage. Merci à vous. Merci.